compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. En dépit d'une campagne de second tour marquée par des alliances politiciennes contre nature, destinées à empêcher par tous les moyens les Français de se choisir librement une politique différente, le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne, quand bien même elle a réalisé un score 3 fois supérieur à ce qui était prédit ces dernières semaines, ne dispose pas d'une majorité. Ainsi, fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes principes, je remettrai demain matin ma démission au président de la République. Je vois bien la tentation des tractations, des combinaisons, pour échafauder des majorités contre nature. C'est cette confusion, c'est ce flou permanent qui ont mené la France dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le en même temps est mort ce soir. Et tous ceux qui voudront le prolonger dans le dos des électeurs seront discrédités demain. Ma conviction, c'est que la France ne pourra se relever que dans la clarté. Et pour nous, il n'y aura ni coalition, ni compromission.